Totalement bugué. Voilà. Bon. Est-ce que tout cela fonctionne? Et salut à tous et à tous, c'est JJ, bienvenue sur Geek City, on se retrouve pour le dernier épisode de cette saison 1 de Batman Arkham City, Retour de Arkham. Pourquoi je m'arrête pas? Parce qu'on est, par rapport à la fin de la saison, pourquoi je fais pas le 4ème épisode? Parce que c'est mon épisode de fin. Parce que là on est à la fin vraiment de l'histoire. Après on va attaquer sur le DLC donc le dernier épisode du DLC de Batman des Plombes. Je préfère le faire dans une autre session d'épisode durant la saison 2. De Batman, Retour d'Arkham, Arkham City. Allez, c'est parti. Donc, confrontation finale contre le Joker. Reprenez un top au Joker et empêchez-le de devenir immortel. Suivez le mouchoir pour sauver Talia des rives du Joker. Donc, on a compris que le Joker avait pris Talia et qu'il l'a amené en théâtre. Allez, du coup, bah, regardez bien la tenue, regardez bien le Batman. Parce que du coup, c'est parti pour la confrontation finale. Pour l'ultime boss de ce jeu. Trouve-toi un siège, Batman. Le spectacle va bientôt commencer. Justement, parlons-en. Alors maintenant, tu veux parler? Trop tard, Batman. Donne-moi l'antidote. Mais tu as déjà pris l'antidote. Talia! Non! Problème résolu. Ce n'était pas nécessaire. Pourquoi? Tu ne l'aurais jamais fait. Tu ne m'as pas laissé le choix. Talia, on a toujours le choix. Je devais te sauver. Harley Quinn l'avait volé pour lui. Je l'ai récupéré. C'est fini. Surprise! Monsieur J. Vous êtes parfait. Drey, comment faire pour cacher un secret au plus grand détective du monde? Ah, alors tu as deviné, il suffit de le lui mettre sous le nez, juste sous son long nez pointu, et d'attendre. Ouais, le Joker fait croire à tout le monde qu'il est prêt. Et pas de surprise. Tu es tombé dans le bon vieux traquenard du Joker, Batman. Talia! Je suis désolé, mon ange. Je ne savais pas. Encore! Encore! Bravo! Et voilà, ça n'a jamais été toi. Oh,
toujours. Enfin, parfois. C'est troublant, tu ne trouves pas? Moi aussi, si j'étais à ta place, j'aimerais bien comprendre ce qui se passe autour de moi. Disons juste que dans des moments pareils, il est important de sauver... les apparences. Mais avant ça, si tu veux bien me rendre service, donne-moi l'antidote. Et voilà. Mesdames et messieurs, pour une seule et unique soirée, en remplacement de votre humble serviteur, et fin prêt à vous en mettre plein la vue, mais... Tu n'étais pas censé être là, Carlo. Pourquoi as-tu aidé le Joker? C'est simple. C'était le rôle de ma vie. Une dernière chance. Oh, souris un peu, Batou. Le grand final vient juste de commencer. Et il est génial. C'est parti. Mais je me trompe de tout, je peux esquiver. Autorisation de jouer à... Est-ce que tu traces, Batman? Première vie enlevée. Qu'est-ce que vous faites? Allez, oh, c'est pas vrai. Hop, allez, je me concentre. C'est pas le boss le plus difficile à battre, hein. Restez pas figé comme ça. Hop, c'est déjà fait, allez. Me faire rater ma séance au spa. Enfin,
C'est pas comme si tu avais encore une fille à sauver, pas vrai? Allez. Oh, je suis désolé, trop tôt. Un changement de décor serait peut-être souhaitable. La phase. Ça m'arrive au plus bazar. Mais je les vois pas. Ah, faut que j'attaque avec avec l'épée, c'est vrai. Je vais mourir. J'ai pas assez de vie. Salut, j'ai mourir. Salut, j'avais pas assez de vie. J'avais pas assez de vie pour le battre. C'était la meilleure performance de ma vie. Ouais, c'est ça, mais c'est ça, faut que j'utilise le coup de givre. Éliminer gueule d'argile. En fait, quand tu joues pour la première fois, tu t'attends pas à cette finale-là. Moi, je m'attendais pas à ce combat final. Je suis sûr qu'on va faire une nouvelle fois le Joker comme dans le premier. Et en fait, non. C'est pas vrai, j'ai appuyé sur triangle. Et je l'ai eu, ouais. Sortie telle. Hors de mon chemin, Batman. J'ai rendez-vous avec l'immortalité. Et là, c'est ce que c'est depuis le hasard. Vite, l'antidote. Ah, mais qu'est-ce que tu attends? Allez,
J'ai tué ta petite copine, empoisonné Gotham et ponçant. C'est même pas encore l'heure du petit-déj. Mais peu importe. Oh, c'est tous pertinemment que tu me sauveras. Chaque décision que tu prends entraîne la mort et la souffrance. Des gens meurent. Je t'arrête. Et tu t'évades et tu recommences encore. On l'appelle ça le comic de... J'espère que tu es content, maintenant. Tu veux entendre quelque chose de drôle ? Même après tout ce que tu as fait, je t'aurais sauvé. Oh, ma foi, oh, les fesses, vraiment, à mourir de rire. Et voilà. Le Joker is dead. Le Joker est mort. Et en fait, c'est, en fait, le Joker, c'est lui-même, quoi. Grosso modo. Et bien voilà, c'était Batman Return to Arkham, Arkham City, remasterisé sur PS4. On a fini le jeu, ça y est, le jeu est totalement fini. Là, ce qu'on va faire après, concernant tout, surtout Arkham City, il va y avoir donc le troisième épisode du DLC de... Non, le quatrième épisode du DLC de Catwoman. Et ensuite, on enchaînera sur le DLC, la revanche d'Harley Quinn, où... Cette fois-ci, on va pas contrôler que Batman, mais aussi, on va contrôler aussi Robin. Il me semble que c'était, c'est pas Jason Todd, ça va être Tim Drake, il me semble. Voilà. Du coup, on va passer. Nouvelle partie plus débloquée, refaite des modes histoire, mais cette fois armée de tous les gadgets, amélioration, avec ben, hein. Donc du coup, je vois que c'est encore un tout petit peu de temps. On va essayer de faire un tout petit peu le troisième épisode, voilà, de Catwoman. Enfin, le dernier épisode de Catwoman. Il est temps de récupérer mes affaires et de quitter cette ville pour de bon. Voilà. Donc on va récupérer le butin de Catwoman. On est bien chez soi.
Et voilà. Et oui, les hommes de double face. Elle est morte ? Attends, elle se réveille. Merde, qu'est-ce qu'on va faire ? On va la retuer. Ah, c'est pas vrai. Mes affaires. Dis-le-moi, ou j'affûterai mes griffes sur toi, une par une. C'est Double Face qui les a. Il est au musée. D'accord ? Merci. Bon. Alors, tu as finalement décidé de revenir, Harvey. Dommage. Mais bon, il est l'heure que le Matou t'apprenne enfin les bonnes manières. Ah, il faut aller dans quelle direction ? Ok, le musée, c'est tout là-bas au fond. Je pense qu'une fois arrivé au musée, on s'arrêtera là pour la fin de cet épisode. Mais ce qui veut dire que le prochain épisode, ce sera bien sûr un épisode bonus. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sera fait. Je parle pour Twitch parce que sur YouTube, ce sera dès le lendemain ou dès le jour même, je pense. Mais concernant Twitch, c'est sûr que ce ne sera pas ce week-end pour moi. Tout est vendredi. Mais ce sera plutôt dans la semaine prochaine, mais quand, je ne sais pas. Et ça sera, je pense, un épisode bonus sur. Je sais qu'il y a le DLC de Avengers qui est sorti avec un nouveau personnage, Kate Bishop, qui est normalement un personnage qui remplace Darcy, donc qui remplace Clint. Burton, qui remplace Burton, voilà. Donc, à voir ce que peut donner ce DLC. Si j'avais là. Catwoman! Mais qu'est-ce qu'elle fabrique ici? C'est là. Arkham City, c'est l'enfer. J'y arrivais. C'est Catwoman. Ah mais je me loupe. Là. Et voilà. Oh, la jambe qui prend l'air. Allez, c'est parti. Je crois qu'il y a qu'on a des gens qu'on doit sauver, il me semble, dans cette zone. Il me semble, j'ai bien dit, il me semble, pour récupérer ses affaires. Il me semble que c'est ça. Ça, les trophées. Ah, mais attends, il y a toute une zone à faire. Attends. Ah ouais, c'est fou, je réveille. Je crois que c'est par là, il me semble. Vers l'armurerie. Ça fait du bien de revoir le boss, hein. Ouais, t'as vu tout le matos qu'il avait? Ça devait être un Catwoman. Il a envoyé Polybi faire sauter la planque secrète de cette ordure. Avec un peu de chance, des morts. Mais qu'est-ce qu'elle fout ici ? Voilà, hop, et je me suis loupé. Ah.
Arkham City va partir. Ah, j'ai tapé avant. On veut juste. C'est pas vrai. Ah, c'est bon. Hop, c'est joli, en tout cas, c'est bien chorégraphié, j'adore. De toute façon, je kiffe Catwoman. J'ai kiffé de Selina. Jamais vu le boss aussi content. C'est Catwoman. Ouh, il y a plein de monde. Et je me suis encore trompé. Et j'ai appuyé. Voilà. C'est pas possible. Eh mais je vais mourir. On va t'arracher ton sale masque. Je suis mort. Bon, la dernière tentative, après je m'arrête. Je suis un peu pressé par le temps aujourd'hui. J'ai pas chaud. Et le verdict est la mort. Il y a longtemps qu'on n'a pas vu Harvey Dent. Faut limiter le Catwoman d'un double face et je vois le Batman avec l'arme mystérieuse de Mr. Freeze. C'est là comment il dit. Ouais, je crois que j'ai jamais vu le boss aussi content. C'est Catwoman. C'est pas vrai, j'ai. Je vais réussir à l'avoir. Voilà, je le savais. Bon, je vais m'arrêter là. Ça aurait été une petite vidéo très courte pour aujourd'hui. Comme je le dis, voilà, je suis pas mal occupé en ce moment là pour cet après-midi. Donc, j'espère que cette petite vidéo, mais si elle est très courte, elle vous aura plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu de l'amour, le petit commentaire sur le vidéo qui fait extrêmement plaisir. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très rapidement sur Twitch et sur YouTube pour des aventures. C'était Zivi pour Geek City. À la prochaine. Allez, salut, ciao.